Bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Théophile Plouvier, doctorant en géographie à l'ULCO. Mes travaux de thèse portent sur l'homophobie masculine et la manière en fait, dont ça va pouvoir impacter la pratique de l'espace pour les hommes homosexuels, principalement dans la région de France. Alors, quand on m'a proposé de travailler un peu sur cette session sur les questions des violences sexistes, ça m'a tout de suite interpellé parce qu'effectivement, dans beaucoup de choses que j'ai lues dans le cadre de mes travaux, la question des normes de genre et donc par extension du sexisme apparaissait beaucoup dans les approches qui existaient de l'homophobie. Et donc c'est ce que je vais vous présenter un petit peu aujourd'hui avec cette approche-là. Un bref sommaire. Donc, pour commencer, je vais vous montrer un peu les intersections qui peuvent exister entre la manière dont on considère l'homosexualité, tout ce qui va être les normes de genre également, féminines ou masculines. Et comment on peut considérer l'homophobie, alors dans ce cas-là masculine, parce que c'est mes travaux, mais bien évidemment on peut penser que ça peut, la démarche peut être reproduite également envers, enfin, pour les femmes homosexuelles, et comment ça peut aussi être considéré comme un sexisme. Ensuite, donc, quelques éléments méthodologiques sur comment je m'y suis pris pour étudier cette homophobie masculine, quelques résultats et enfin des discussions pour étendre un peu la réflexion au-delà de ce champ-là même. Alors pour commencer, quelques éléments de définition. Pourquoi est-ce qu'on peut faire cette intersection entre les homosexualités et les normes de genre? C'est pas quelque chose de très récent. On peut même repartir déjà à l'invention du terme homosexualité qui date de la fin du 19e siècle. Et comment cette homosexualité a pendant très longtemps été considérée comme une incohérence genrée. Alors c'est quelque chose qu'on peut voir déjà justement à la fin du 19e siècle avec la théorie des sexologues, pardon, qui parle d'inversion sexuelle pour les personnes homosexuelles. C'est-à-dire que ces personnes-là, plutôt que de tout simplement admettre que des individus puissent avoir des orientations sexuelles, des désirs sexuels qui soient justement différents de la norme hétérosexuelle, ils sont allés dans l'autre sens, c'est-à-dire de supposer que les hommes homosexuels, par exemple, n'étaient rien d'autre que des femmes dans des corps d'hommes et pour les femmes homosexuelles, du coup, des hommes dans des corps de femmes. Donc on a un peu contourné le problème en fait, du désir sexuel en disant que c'était tout simplement des personnes hétérosexuelles mais qui avaient juste un corps qui ne correspondait tout simplement pas à leur désir. Cette grande intersection entre les normes de genre et la pratique sexuelle, elle se retrouve dans beaucoup de normes actuelles hétérosexuelles, notamment. Judith Butler, en 90, en parlait assez bien, en disant que l'hétérosexualisation du désir requiert et instaure la production d'une opposition discrète et asymétrique entre féminin et masculin, où ceux-ci sont compris comme les attributs expressifs de mâle et femelle. Donc on a vraiment cette conflation entre ce qu'on va appeler le genre et le sexe. Une personne de sexe masculin doit forcément être de genre masculin et inversement, une personne de sexe féminin doit être forcément de genre féminin. Et la matrice culturelle au travers de laquelle l'identité de genre est devenue intelligible requiert que certains types d'identités, dans ce cas-là notamment l'identité homosexuelle, ne puissent pas exister parce que, en fait, on est sur des attentes genrées qui ne correspondent pas au sexe de ces personnes-là. À savoir que voilà, des hommes doivent forcément avoir des orientations sexuelles envers les femmes et inversement pour les femmes. Pour en venir un peu à l'homophobie, donc pourquoi est-ce qu'on peut considérer que ça peut être un sexisme? Tout d'abord, qu'est-ce que l'homophobie? Là, je vous ai pris une petite définition qui vient du Québec que je trouve assez intéressante à cet égard-là et qui dit « ça va être toutes les attitudes négatives pouvant mener au rejet et à la discrimination indirecte ou directe envers les gays, les lesbiennes, les personnes bisexuelles et transgenres, ou à l'égard, et c'est là où ça devient intéressant, de toute personne dont l'apparence ou le comportement ne se conforme pas aux stéréotypes de la masculinité ou de la féminité. » C'est quelque chose qu'on retrouve particulièrement présent dans, par exemple, les insultes homophobes,
La plupart du temps, quand on va critiquer des personnes homosexuelles, que ce soit des hommes ou des femmes, on va notifier le fait que ces personnes-là ne sont pas suffisamment masculines lorsque ce sont des hommes ou féminines lorsque ce sont des femmes. Et on va notamment noter cette sorte de transgression de genre au travers des insultes, au travers des critiques, voire même au sein des couples homosexuels. Une des remarques qui arrive souvent, c'est quelle personne est la plus efféminée ou la plus masculine des deux, pour toujours essayer d'avoir cette norme hétérosexuelle, même au sein des couples homosexuels, en essayant d'avoir cette binarité très opposée entre l'homme et la femme qui reste assez inchangée. Et donc ce lien avec le sexisme et l'homophobie a été un peu étudié aussi, a été aussi défini. Par exemple, Paul Zerlang, en 1994, dit « L'homophobie est fortement liée au sexisme. L'homophobie est l'intériorisation pour chaque individu du sexisme dans ses rapports aux autres. L'homophobie est la discrimination envers les personnes qui montrent ou à qui l'on prête certaines qualités ou défauts attribués à l'autre genre. » Donc voilà, on retrouve vraiment ce phénomène en quoi l'homophobie va critiquer chez les hommes homosexuels le fait d'avoir des traits un peu trop féminins, le fait de ne pas être assez viril ou d'être un peu efféminé, notamment. Également, Bourriaud et Mekaria, en 2019, font vraiment ce lien. Sexisme et homophobie apparaissent donc bien comme les deux faces d'un même phénomène social. L'homophobie, et en particulier l'homophobie au masculin, remplit la fonction de gendarme du genre en réprimant tout comportement, tout geste ou tout désir qui déborde les frontières imperméables du genre, du sexe. Pardon. Alors moi, en tant que géographe, bien sûr, je me suis posé un peu la question aussi, vu qu'on fait ce parallèle entre les normes de genre et la sexualité, de me dire, ben, si c'est très relatif aux normes de genre, est-ce que ces normes de genre sont les mêmes partout ? Est-ce que d'une certaine manière, entre chaque pays, entre chaque région, on peut observer ces mêmes normes et est-ce qu'elles impactent les individus de la même manière ? Au niveau des représentations assez populaires, au niveau aussi de la culture, on peut remarquer déjà qu'il y a un certain gradient de cette norme de genre entre notamment les espaces ruraux et les grandes villes, avec les espaces ruraux, les villages notamment, qui sont vus d'un point de vue très traditionnaliste, très masculin aussi, du fait des modes de vie qui sont historiquement pratiqués, les travaux ouvriers, les travaux agricoles, etc. Et on remarque généralement une plus grande facilité à admettre les normes masculines, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. C'est notamment quelque chose qui est cité dans la citation de Judith Elberstam en 2005. L'effémination masculine était activement découragée au sein de leur communauté, donc les communautés rurales particulièrement, moins comme un signe de tendance homosexuelle que parce qu'elle ne correspondait pas au travail pénible attendu des garçons dans les familles d'agriculteurs. Cependant, selon la même logique, les femmes rurales étaient plus susceptibles d'être caractérisées par une inversion de genre, car la masculinité chez les femmes ne semble pas avoir été activement découragée. Donc ce qu'on retient un peu là, c'est que la question de l'homosexualité n'était pas vraiment présente dans le rural. Le problème de l'effémination masculine, c'est pas parce que ça faisait référence à l'homosexualité, mais plus parce que ça ne correspondait tout simplement pas aux modes de vie locaux. De manière inverse, une femme très masculine qui, peut-être dans un milieu urbain, serait plus facilement perçue comme lesbienne, selon des stéréotypes, dans le milieu rural, va être plutôt acceptée parce que ça veut tout simplement dire qu'elle est plus forte, qu'elle est plus adaptée à son environnement et qu'elle va plus facilement pouvoir participer aux travaux physiques et agricoles, par exemple. À l'inverse, on a les grandes villes qui sont souvent représentées comme des lieux de modernité, de sophistication, avec des normes plus facilement acceptées comme féminines. C'est notamment ce qui est un peu défini par la citation de Sinfield. L'une des principales aspirations des homosexuels métropolitains a été de remanier les féminités qui leur a été attribuées, parfois en affirmant de manière provocante son potentiel transgressif. Pardon. C'est quelque chose qu'on voit notamment avec la culture homosexuelle des grandes villes, notamment le mouvement drag, qui est totalement dans cette optique-là de réapproprier un peu les codes féminins jusqu'à la caricature parfois, et totalement admettre cette effémination de l'homosexualité comme très, très ancrée dans la culture locale. Ce mouvement un peu de cette observation, on va dire, des normes de genre qui sont assez différenciées, on peut par exemple l'avoir dans certains ouvrages ou certains récits de vie. Je pense notamment au premier ouvrage d'Édouard Louis, qui, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire, mais qui voilà, a habité pendant toute sa jeunesse dans le milieu rural, très ouvrier, très masculiniste,
et qui s'est un peu échappé de cet environnement pour passer par Amiens, puis après par Paris. Et à la fin de son premier livre, il parle très bien de cette différence des perceptions des normes de genre, en parlant que quand il arrive dans ce grand lycée assez bourgeois à Amiens, il voit tous ces garçons et il comprend, en fait, il voit qu'ils sont, il les perçoit comme très efféminés, alors que, en fait, par rapport aux standards de la ville, par rapport aux standards locaux, ces personnes-là sont considérées comme tout à fait normales, comme masculines même, alors que dans son milieu rural originaire, ces personnes-là auraient été directement traitées de personnes homosexuelles du fait de leur efféminité. Donc on peut voir un peu comment ces différentes normes de genre sont perçues aussi bien au niveau des parcours de vie que des parcours migratoires. Donc, pour en venir un peu plus précisément sur mon travail de thèse, donc comment je me suis un peu attaché à étudier cette homophobie. Donc ça s'est fait par une approche double, qui a été un peu simultanée. D'une part, une approche quantitative avec un questionnaire en ligne qui a été auto-administré, diffusé via les universités et ce qu'on peut appeler le milieu LGBT+, c'est-à-dire les associations, les commerces, les réseaux sociaux destinés à regrouper un peu des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. Et les thématiques abordées étaient assez centrées sur cela, avec d'une part ce qu'on va considérer comme les sociabilités homosexuelles, c'est-à-dire de quelle manière l'homosexualité des répondants fait sens en termes de pratiques sociales, c'est-à-dire par exemple la manière dont les personnes vont rechercher à fréquenter d'autres homosexuels, que ce soit dans des optiques de pratiques sexuelles ou aussi bien d'amitié par exemple. Également tout ce qui va correspondre à ce qu'on va appeler la victimation homophobe, de quelle manière les individus ont pu être victimes durant leur vie d'agressions ou de violences homophobes, en essayant de les caractériser, donc dans quel milieu, le milieu familial, professionnel, dans l'espace public, etc. Et enfin, donc, tout ce qui va servir un peu de contextualisation de l'environnement du répondant, en sachant un peu de quelle manière la personne a vécu, où elle a grandi, dans quelle zone géographique, dans quel milieu social, etc. Et donc cette approche-là, elle a permis de récolter plus de 700 réponses. Je vous présenterai un petit peu après les quelques résultats qui en dérivent. Et donc en parallèle, il y a eu une approche plus qualitative avec des entretiens semi-directifs qui ont été menés. Le but, c'était vraiment de compléter un peu l'approche quantitative, de permettre aux personnes de s'exprimer un peu plus longuement, de vraiment raconter de manière subjective leur vécu. Donc pour ça, j'ai mobilisé aussi bien des responsables associatifs, d'associations identifiées comme LGBT+, mais également des individus en leur propre nom, qu'ils soient homosexuels ou bisexuels. Le but, c'était vraiment d'avoir des personnes qui assumaient vraiment ce désir envers les personnes de même sexe, peu importe comment elles se définissaient socialement. Et donc là, les thématiques étaient assez proches de celles abordées par l'approche quantitative, notamment le vécu de l'homosexualité, comment la personne a découvert son attirance sexuelle, qu'est-ce que ça a provoqué chez elle comme réaction psychologique, comment s'est déroulée l'annonce aux proches, à la famille, aux amis, etc. Et également tout ce qui concerne les expériences homophobes, donc vraiment décrire précisément les agressions qui ont pu avoir lieu, par quel type de personnes, dans quel contexte, et potentiellement les conséquences de ces agressions sur l'individu même. Pour accentuer un petit peu plus sur la partie quantitative, donc vous pouvez voir à droite sur la carte la répartition des répondants dans la région. Pour faire le point un petit peu sur le profil des répondants, on est sur une population qui est très jeune, forcément en passant par les universités, également qui a vocation à être très diplômée. Alors ça biaise un peu l'échantillon. Forcément, on ne peut pas être représentatif et de toute manière, on ne pourra jamais vraiment l'être puisqu'on n'a pas de recensement officiel des personnes homosexuelles en France actuellement. Donc c'est un problème qui est assez récurrent dans les études sur les homosexuels. Et également, là où c'est un petit peu plus intéressant, c'est que ce sont des personnes qui sont recrutées majoritairement, on va dire, hors milieu, parce que, au final, ce que j'ai appelé le milieu homosexuel, c'est-à-dire les milieux vraiment clairement identifiés comme à destination des personnes homosexuelles,
ont été assez peu mobilisées. Et on est vraiment sur des personnes recrutées en population générale, on va dire, puisque tous les étudiants des universités concernées ont reçu le questionnaire et ont eu l'occasion d'y répondre, peu importe qu'elles fréquentent ou non des associations gays, des commerces gays, etc. Là où c'est aussi un petit peu plus intéressant, c'est qu'on est sur des individus donc, assez jeunes qui sont en début de vie sexuelle. Et ça permet donc d'avoir aussi une sorte de photographie un petit peu actuelle de comment l'homosexualité est vécue et découverte à notre époque actuelle, et comment elle est aussi perçue par l'entourage des individus. Mais également, on est sur des individus en prise d'autonomie vis-à-vis du milieu familial. On peut notamment voir sur la carte qu'il y a pas mal de répondants qui proviennent d'en dehors des grandes villes de la région, notamment des milieux assez ruraux. Et c'est assez intéressant parce que beaucoup, du coup, habitent encore chez leurs parents, parfois dans des petits villages, etc. Et ça permet de voir justement comment l'homosexualité, mais aussi la pression homophobe, on va dire, est vécue par ces personnes-là qui sont encore assez peu autonomes et sont de fait encore assez fortement vulnérables. Pour en venir un petit peu aux résultats, du coup... voilà comme j'ai appelé ma diapositive, donc des individus très peu au placard, mais une peur systématique. Alors pourquoi ? Quelque chose qui m'intéressait beaucoup au début, c'était justement de savoir cette question de la visibilité. Est-ce que les personnes parlaient facilement ou non de leur homosexualité à leur entourage ? Est-ce qu'il y avait encore cette image du placard, justement, qu'on avait beaucoup dans les années 80, de personnes qui refusent de parler par peur des représailles ? Alors là, ce n'est pas vraiment le cas, puisque au final... ce que j'ai appelé un peu le degré de coming out, c'est-à-dire la manière dont les répondants parlent de leur homosexualité à leur entourage, en prenant en compte différents cercles sociaux, notamment les amis, les collègues, la famille proche ou éloignée. Et on a seulement 6,5% des individus qui sont vraiment cachés à tout à leur entourage, donc qu'on pourrait considérer comme totalement au placard, ce qui est assez peu. Et à l'inverse, 40% qui ont vraiment parlé de leur homosexualité à tout le monde dans leur entourage. Et entre les deux, voilà, des situations un peu plus nuancées, avec par exemple 92% des répondants qui ont parlé de leur homosexualité à leurs amis, 71% qui ont parlé de cette homosexualité à au moins un des deux parents. Donc voilà, globalement, très peu sont vraiment totalement au placard, mais il y a plutôt des sortes d'arrangements, de négociations selon à qui on parle ou non de ces attirances homosexuelles. Cela est assez bien illustré par l'extrait d'entretien en bas à droite, qui justement montre que même si on est sur une visibilité peut-être assez grandissante par rapport aux décennies précédentes, il y a toujours cette peur systématique de comment les gens vont réagir, comment ça va être perçu, et notamment plein de mécanismes de défense qui vont être de prendre des précautions, par exemple d'arriver à assurer son autonomie avant de prendre le risque d'être rejeté par sa famille. C'est notamment ce que nous dit Maxime, 36 ans, qui a grandi à Dunkerque, et qui dit « Et je me suis toujours dit, une fois que j'habiterai ailleurs, une fois que j'aurai mon appart, etc., je serai prêt à toute éventualité, s'il y a un problème, je serai à l'abri. Même s'il n'y avait aucune partie de moi qui me disait qu'il y avait un risque, mais c'était quand même la double précaution, tu vois. » Donc, il nous exprime clairement qu'il ne pensait pas vraiment que ses parents allaient être homophobes, qu'il allait être rejeté de chez lui, etc. Mais malgré tout, il y avait quand même cette petite peur un peu sous-jacente qui lui a fait... prendre tout un tas de précautions, notamment d'attendre d'être un peu autonome, d'être parti du milieu familial, de la maison familiale, pour pouvoir assurer ses arrières en cas de problème. Là où on a d'autres phénomènes qui sont assez flagrants, c'est que même si cette homosexualité elle est vécue de manière assez... tout est relatif, mais assez visible, on va dire... Il y a en revanche une exposition qui est assez banalisée aux propos homophobes. Donc la question qui a été posée, c'était aux individus, à quelle fréquence avez-vous été insulté en des termes homophobes en raison de votre orientation sexuelle ? Et là, on peut voir que plus de 80% des répondants ont déjà subi ce type de violence, alors bien entendu à des degrés de fréquence assez variables. Mais on remarque que c'est assez général, quasiment tous les individus ont subi déjà ce genre de problème. Mais par contre, il y a vraiment une banalisation, ça devient un peu des phénomènes qui sont presque reliés à l'ordinaire. C'est d'ailleurs comme ça qu'en parle l'individu à droite, Thibaut, 33 ans, qui habitait Saint-Quentin, qui nous dit « Tu as tous les trucs un peu ordinaires, les regards de travers quand tu es avec ton mec, tout ça, ou les grimaces de dégoût des vieilles, mais sinon voilà,
un mec, une fois en passant en voiture, a crié PD, puis a continué sa route, mais bon, voilà, pas outrageusement grave. On remarque qu'il y a vraiment une banalisation de ce genre d'événements qui sont malgré tout assez violents et assez choquants, mais qui sont voilà, relégués un peu aux choses du quotidien. Les individus semblent assez prêts à les affronter, ne semblent pas montrer vraiment de grands chocs vis-à-vis de ça. Alors, bien entendu, on verra si c'est plutôt une question de stratégie pour ne pas pour se protéger soi-même, ou si c'est vraiment une question de banalisation. Mais par contre, on peut voir que même si ces propos-là sont assez banalisés, il y a quasiment systématiquement des stratégies qui sont mises en place par les individus et qui vont conditionner les pratiques spatiales, c'est-à-dire la relation que les gens vont avoir aussi bien avec les autres, donc dans les pratiques sociales, mais également dans la manière de fréquenter le territoire, de se mouvoir différemment, de se comporter, de gérer son apparence différemment. Et à ce niveau-là, il y a des exemples assez flagrants. Par exemple, 3 individus sur 4, par crainte d'homophobie, évitent les signes d'affection avec leur partenaire dans l'espace public. Ça peut être notamment le fait de tenir sa main à son compagnon, le fait de l'embrasser. 70% évitent de parler de leur vie privée au travail pour ne pas dévoiler leur homosexualité. Donc, carrément une dissimulation vraiment de la vie privée pour à tout prix éviter, par exemple, d'avoir à dire ce qu'on a fait ce week-end avec son partenaire, si on est parti en vacances, etc. 67% adaptent leur apparence et leur comportement pour ne pas paraître homosexuel. Alors généralement, ça va être gérer ses habits, par exemple, ne pas paraître trop excentrique, gérer son comportement également. Souvent, c'est, on va dire, un peu singer des représentations très viriles de la masculinité, éviter tout ce qui va paraître un peu efféminé comme manière ou comme tic de langage. Ou encore, 66% évitent de fréquenter certaines rues ou quartiers parce qu'ils sont carrément représentés comme plus potentiellement dangereux vis-à-vis de l'homophobie. Alors, ces phénomènes-là s'illustrent assez bien par les citations en dessous. Par exemple, Alexandre, 20 ans, montre assez bien cette adaptation de l'apparence et du comportement. Et il dit, dans ma manière de parler, dans ma manière de marcher, j'ai tendance à parler avec les mains, par exemple. J'essaie que ça ne fasse pas trop maniéré, quelque chose comme ça. Même ma manière de marcher, à chaque fois, j'essaie de faire un peu. Il y a une partie de moi qui fait un peu attention à de quoi j'ai l'air par rapport aux autres. Donc voilà, il nous dit clairement qu'il essaie d'adopter un peu des stéréotypes, on va dire, dans la manière de parler, dans la manière de marcher, de se comporter, qui sont assez masculins pour justement éviter d'être stigmatisé trop facilement comme une personne qui serait efféminée et donc, par extension, potentiellement homosexuelle. Dans un autre registre, plutôt vis-à-vis du domaine professionnel, Damien, 20 ans, nous dit « Je suis pompier volontaire, donc chez les pompiers, ça paraît évident que, voilà, je préfère pas le dire pour l'instant. » Donc on a vraiment cette impression du milieu des pompiers qui est assez masculin, assez viriliste. Et il rajoute par la suite « J'avais l'exemple du jeune recrue qui était arrivé et il était, enfin je sais même pas ce qu'il était, mais il avait un air assez efféminé. » Et dans son dos, ça parlait. Il lui avait même trouvé un surnom. Il l'appelait Monsieur Madame. Là, on a vraiment une vision de l'impact, en fait, de toutes ces normes de genre qui sont souvent véhiculées par les hommes de l'entourage de la personne, qui montrent vraiment que ce n'est pas acceptable ou plutôt un sujet de moquerie de ne pas être suffisamment masculin, et qui va du coup conditionner ce rapport aux autres en faisant que la vie privée va être totalement dissimulée au travail, pour justement éviter d'être stigmatisé et que les gens parlent dans son dos et se moquent de lui. Pour finir avec les résultats, donc, il y a quelque chose qui ressort assez facilement, et je me suis vraiment posé cette question dans les entretiens que j'ai menés, c'est cette difficulté que les individus ont à se définir comme victimes, notamment par rapport aux normes genrées en tant qu'hommes. Alors généralement, ça va être sur des mécanismes qui vont être vis-à-vis d'un acte violent vécu ou hypothétique. Et on va voir des mécanismes qui vont avoir, plutôt que de se définir clairement comme victime, d'insister sur la violence qu'on a subie, sur le fait que c'est inadmissible, que ça peut avoir traumatisé les individus, il va y avoir des mécanismes pour essayer de dévier un peu l'attention. Alors généralement, ça va être sur d'autres individus, par exemple dire « moi j'ai vécu cette violence, mais je me suis bien défendu, j'y ai bien survécu, etc. D'une certaine manière, je me suis bien comporté en tant qu'homme, mais par contre, j'avais peur pour quelqu'un d'autre, pour mon compagnon, etc., qui lui était un peu plus fragile. »
C'est notamment ce que Thibault, 33 ans, nous dit quand il nous raconte une agression hypothétique. Tu as 3-4 mecs qui se ramènent, tu sais que ton copain ne sait pas du tout se battre en plus, tu as peur pour lui aussi avant même d'avoir peur pour toi, parce que bon, tu te dis qu'il faut rendre des coups, tu peux rendre, mais que lui, ça va être compliqué, donc voilà. Donc clairement, là, plutôt que de dire que ça serait vraiment choquant de se faire agresser par 3-4 mecs dans la rue, il dévie un peu la conversation en disant ben, « mon compagnon, il est plus efféminé, il est un peu moins apte à se défendre, il est un peu plus fragile, et donc si une agression arrivait, ça serait plutôt pour lui que je m'inquiéterais, plutôt que pour moi. » On a un peu ce même type de mécanisme sur l'entretien du dessous, où là, ça va être plutôt de mettre en avant la carrure, les caractéristiques masculines, dire voilà, je fais 1m93, je fais 110 kg, donc au final, si quelqu'un m'agresse, ça ne sera pas grave, je saurais me défendre et ça ne me touchera pas. Plutôt que de mettre en avant le fait que bah, qui qu'on soit, ce ne soit pas forcément très agréable de se faire agresser dans la rue. Et voilà, il dit, je pense aussi que j'ai une carrure où on me fout la paix, je fais 1m93 pour 110 kg, donc voilà, je rentre dedans quand on m'attaque, donc on me fout la paix, je n'ai jamais eu de soucis. Voilà, pour finir, quelques éléments de discussion. En quoi cette approche-là et ce regard un peu vers les violences sexistes peut être intéressant pour d'autres travaux, mais aussi dans la continuité des miens. Déjà, on peut se poser une question, est-ce que l'homophobie, peut-être, ça ne serait pas un révélateur, un indicateur intéressant pour les violences sexistes qui touchent particulièrement les hommes, notamment parce que quand on parle de violences sexistes, on pense souvent, généralement, d'ailleurs, ça a été un peu dit dans la présentation précédente, mais souvent des hommes comme agresseurs et des femmes comme victimes. Là, ce qu'on retrouve, c'est que globalement, on est sur des hommes qui sont aussi victimes d'autres hommes. Et donc, le sexisme n'est pas forcément quelque chose qui est très, très binaire, des hommes envers les femmes ou des femmes envers les hommes, mais peut aussi être des hommes envers les hommes, mais également des hommes eux-mêmes envers eux-mêmes, parce qu'ils s'infligent aussi beaucoup de violence, que ce soit par la tentative, on va dire, de ne pas transgresser les normes, de s'infliger des manières, des comportements qui ne seraient pas forcément adaptés à tout le monde, on va dire. Également, ça permet de penser le sexisme au-delà des rapports de domination homme-femme. Donc, essayer de penser le sexisme autrement, ce n'est pas forcément une question de domination des hommes sur les femmes, c'est aussi une question d'injonctions qui sont appliquées par les hommes et aussi sur les hommes. Et ça serait une manière, par exemple, de sensibiliser plus de monde, plus largement, d'arrêter de penser que c'est toujours un problème qui touche les femmes et que, d'une certaine manière, les hommes ne seraient pas forcément concernés par ça. Voilà, ça serait un peu une manière de voir le regard de manière un peu opposée. Et également, donc, arriver à sensibiliser aux différences genrées dans la perception des violences et dans l'accès au statut de victime. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, notamment dans les enquêtes de victimation. On a souvent tendance à comparer, les hommes sont tant de pourcentage de plus victimes de telle violence, les femmes de telle violence, et on oublie souvent que les normes de genre ont aussi des impacts sur la façon dont on perçoit les violences. On peut se poser la question, est-ce qu'une même violence est perçue de la même manière par les hommes ou par les femmes, mais aussi au sein même des hommes et des femmes, est-ce que tout le monde perçoit la violence de la même manière? Et est-ce qu'on peut vraiment comparer tout cela sans prendre en compte les subjectivités qui vont faire que des événements, même s'ils sont identiques, vont être perçus peut-être plus violemment par certaines personnes ou moins violemment par d'autres. Voilà, merci pour votre attention et si vous avez des questions. Merci beaucoup pour cette présentation très complète, très intéressante, sur un sujet qui nous donne à réfléchir, en tout cas, sous un autre angle. Hein, et votre conclusion, elle est très, très intéressante. Hein, le sexisme n'est pas binaire, effectivement. Hein, on n'a pas cette vision-là. Je vais peut-être me permettre d'enclencher finalement les questions potentielles. Vous avez évoqué, alors il y a à la fois des questions qui peuvent toucher la méthode et votre manière de travailler, et puis bien sûr des questions qui peuvent nous se poser sur le fond. Quelle a été et quelle est votre manière de travailler avec les associations? En fait, la question que je me suis posée, c'est est-ce que votre sujet de thèse a été suscité par une demande associative ou pas? Peut-être l'avez-vous dit
je n'ai peut-être pas été, voilà. Est-ce que ça a été suscité par une demande associative? Pas du tout. Est-ce que vous êtes allé à la rencontre des associations? Comment cette proposition de collaboration eh bien, s'est concrétisée? Est-ce que ça s'est fait facilement, finalement, ou pas? Voilà, alors, il y a plein de questions, finalement, différentes. Alors, pour repartir du début, non, ça n'a pas été demandé par les associations. J'avais d'ailleurs pas de base ce focus très associatif. Moi, j'étais parti d'un constat assez facile, en fait, c'est que l'homophobie actuellement, elle est très mal renseignée. On a très peu de données là-dessus. On a un peu de données de la police, mais on sait, par exemple, qu'il me semble qu'une dizaine de pourcents des agressions uniquement donnent lieu à un dépôt de plainte. Donc, en fait, les données policières ne renseignent pas grand-chose. On a aussi un peu des données qui viennent des associations, justement, SOS Homophobie, etc., qui font qui recensent les témoignages. Mais là, pareil, on est sur des problèmes de biais de proximité, parce que pour s'adresser à une association et dire qu'on a été victime, il faut en avoir une à proximité de chez soi. Il faut pouvoir identifier un interlocuteur aussi. Donc ça posait beaucoup de problèmes. Et moi, vraiment, ce que j'avais comme idée en tête, c'est d'arriver à dresser un peu un panorama des violences homophobes, de comment on pouvait les définir, comment on pouvait arriver à les recenser un peu mieux aussi, et comment on pouvait arriver à comprendre la manière dont ça pouvait impacter les individus, parce que j'en ai un peu parlé au niveau de la question de la visibilité, mais l'homosexualité, c'est un stigmate qui est vraiment très facile à camoufler, contrairement au racisme, par exemple, où voilà, vous ne pouvez pas échapper à la stigmatisation. On peut très bien dire ou pas qu'on est homosexuel, et donc les chiffres, les statistiques qui disent qu'il y a tant d'agressions, au final, on peut très bien les diminuer juste en voyant que les gens se cachent et donc ne peuvent pas être victimes de ces agressions-là. Au niveau des associations, donc, ça s'est fait en fait assez facilement. Il y a eu une demande un peu mutuelle. Moi, d'un côté, bah, j'avais besoin d'avoir leur avis sur leur terrain, de voir comment ça se passe là où elles sont implantées, voir quels retours ils avaient, par exemple des relations avec les communes, les financements qu'ils recevaient, etc. Et du coup, la demande a été assez mutuelle, puisque les associations, elles aussi, ont été demandeuses de mon travail. Elles m'ont demandé, par exemple, d'intervenir dans des petites soirées, conférences, débats, pour échanger avec leurs adhérents, etc. Donc ça s'est fait assez facilement, même si à la base, ce n'était pas forcément quelque chose que j'envisageais. Mais voilà, ça s'est assez bien goupillé et c'est plutôt une bonne chose. Y a-t-il des questions, madame ? Merci beaucoup pour votre intervention qui était vraiment très intéressante, très riche, et aussi pour ce regard intéressant et nouveau sur le sexisme. Enfin, je trouve ça vraiment intéressant du point de vue... enfin voilà, vous remettez pas mal de choses en perspective. Alors j'avais deux petites questions et un petit point méthodo. Oui, d'abord, concernant votre enquête, donc là, je suis épatée par tous les... Enfin, je reprends votre carte, là, la diversité de vos répondants sur le territoire, c'est vraiment un matériau qui a l'air... Enfin, voilà, je suis ingénieure, je travaille sur des données comme ça, et c'est vrai, ça me plairait de pouvoir exploiter ce genre de base. Alors, je me demandais si, au regard des réponses assez variées sur le territoire, est-ce que vous avez pu remettre en perspective un petit peu cette dichotomie présentée au début sur le rapport grande ville et commune rurale, et est-ce que ça a pu changer dans votre réflexion? Et puis, alors oui, je me demandais également combien, donc sur vos 700 répondants, combien vous avez identifié de répondants homosexuels ou bi, parce qu'après, du coup, vos chiffres portent sur eux. Et puis, quelle définition vous aviez conservée? Et enfin, peut-être une ouverture, je ne sais pas. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant aussi de regarder auprès, ou peut-être que vous l'avez fait,
des hétérosexuels, les insultes homophobes reçues, parce que je pense qu'également, enfin, les insultes homophobes ne sont pas réservées aux homosexuels et aux bi, et donc voilà, je pense que ça peut être intéressant, mais vous l'avez sans doute fait. Voilà. Merci. Merci. Alors tout d'abord, sur la question de la dichotomie ville-campagne, effectivement, c'est une réflexion que j'avais beaucoup au début, moi, parce que dans la culture homosexuelle, on va dire, il y a vraiment ces grands a priori de la grande ville qui est très censée être très accueillante, où on va avoir la plupart de tout le milieu LGBT qui va être concentré avec beaucoup de commerces, d'associations. On pense notamment en France, à Paris, qui est assez dominante de ce côté-là. Alors, on a effectivement cette dichotomie, justement, dans les pratiques sociales. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les répondants, la plupart des urbains ont tendance à fréquenter beaucoup plus assidûment le milieu LGBT, d'avoir par exemple beaucoup plus de fréquentation d'autres personnes LGBT dans leur entourage, d'aller beaucoup plus souvent aussi dans des boîtes de nuit, des bars gays, etc. Évidemment avec un fort impact de la distance, parce que quand vous habitez à la campagne, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'aller sur l'île dans les commerces LGBT. Par contre, sur d'autres critères où là, je pensais, avec bien sûr en tête beaucoup d'a priori sur l'homophobie, voilà, la campagne moins tolérante, la campagne plus raciste, plus homophobe, etc. Là, de ce côté-là, j'ai pas vu cette dichotomie vraiment flagrante, c'est-à-dire que les individus en ville ou à la campagne sont assez similaires. Il n'y a pas de visibilité plus grande dans les grandes villes. Globalement, à la campagne, les gens parlent aussi de l'homosexualité à leurs parents, par exemple. Il n'y a pas cette différence-là. Dans la victimation, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus d'agression forcément à la campagne. Alors, après, c'est à nuancer aussi, parce que je n'ai pas forcément présenté là les choses, mais j'avais demandé aux individus, par exemple, comment ils se définissaient sur les normes genrées. Est-ce qu'ils considéraient que leur apparence, leur attitude était plutôt masculine ou féminine ou androgyne, par exemple. Là, a priori, les personnes urbaines sont un peu plus... ont un peu plus tendance à se définir comme androgyne, voire un petit peu féminine, plus que les personnes hors des villes. Donc est-ce que ça aussi, ça peut avoir un impact, c'est-à-dire que les personnes résidant à la campagne ont moins tendance à dévier de leur genre attribué et vont du coup un peu plus rentrer dans la norme masculine et du coup être moins victimes d'homophobie de ce côté-là. Je ne sais pas, c'est encore à définir, mais voilà, si on se base strictement sur l'homophobie vécue, pour l'instant, j'ai pas vu de problème, de problématiques différentes entre les grandes villes et la campagne. Sur la question des identités sexuelles, donc homosexuelles ou bisexuelles, alors là, en fait, j'ai fait la définition de manière un peu double. J'ai un peu de problème avec cette notion d'identité sexuelle, comme quoi il faut, en tant qu'identité sociale, c'est-à-dire qu'il faut s'assimiler aux autres, dire je suis semblable à telle personne et différent de telle personne. Donc j'ai essayé de prendre un peu les deux côtés, c'est-à-dire à la fois comment les gens se définissent eux-mêmes, est-ce qu'ils se définissent homosexuels, bisexuels, pansexuels, etc. Mais aussi lié aux pratiques, c'est-à-dire est-ce que les gens ont des pratiques homosexuelles concrètement. Et de différencier les deux, c'est-à-dire de permettre par exemple à des personnes qui se définissent comme hétérosexuelles de dire aussi j'ai tendance des fois à avoir des relations homosexuelles, mais ça ne remet pas forcément en cause mon hétérosexualité qui est prédominante. Donc voilà, le but c'était un peu d'avoir ces deux côtés-là. Après, malheureusement, pour les personnes hétérosexuelles, le gros souci c'est qu'il y a une grosse barrière liée au questionnaire. Quand on parle d'homophobie, quand on parle d'homosexualité, ça met un peu une frontière. Les gens se disent forcément, ça parle d'homosexualité, ça ne me concerne pas, même si, voilà, parfois, j'ai pu coucher avec un homme. Mais non, moi, je suis hétérosexuel, donc le questionnaire ne me concerne pas. Et je pense que ça, c'est un gros frein pour arriver à vraiment recruter des personnes qui seraient un peu encore plus hors milieu que ce que j'avais imaginé juste par rapport au milieu gay. Quoi. Voilà, je crois que c'était tout. Alors, moi, j'ai une question, peut-être, je ne sais pas si vous pourrez apporter votre réflexion là-dessus. C'est que
Depuis quelques années, peut-être une dizaine d'années maintenant, intentionnellement, d'après mes ce que je sais, c'est que dans les films, les séries, les films, éventuellement même des émissions de télévision, aux États-Unis ça a commencé, ensuite au Canada, maintenant ça se répand un peu partout, on a essayé de montrer de moins en moins. Autrefois, on montrait beaucoup la caricature de l'homosexuel, très efféminisée. Dans les séries, dans les films, c'était comme ça, dans les émissions aussi. Et on a essayé de faire, depuis quelques années, donc, l'inverse, c'est-à-dire qu'on essaye de montrer un homosexuel qui est normal, en quelque sorte, c'est-à-dire, à peu près, ne pas montrer celui qui est très efféminé, en quelque sorte. Le contraire pour les femmes, on montre la camionneuse, entre guillemets, qu'on montrait autrefois. Maintenant, on essaye de montrer une femme féminine, normale, comme tout le monde. Alors, je me demande si ça n'a pas un effet aussi, parce que, d'une certaine façon, avec cette bonne intention aussi, on cache, quelque part, une certaine partie des homosexuels masculins ou féminins, d'ailleurs, une certaine caractéristique quelque part. Alors je me demande si ça n'a pas à avoir une influence sur cette question-là des genres.